Bonjour mes frères et sœurs pianistes. Je vous avais promis un exercice chauffe-doigt. Eh bien, le voici. Mon chauffe-doigt pour apprendre les accords. Accords majeurs et mineurs. Avec les trois notes. Je vous montre déjà ma technique d'enfant. Comment je les plaquais et puis je les ai moi-même mémorisés quand j'avais, je ne sais plus, 9, 9, 10 ans par le tour. Je ne me rappelle plus exactement, mais j'étais petite. Alors, je commençais par Do mineur, Do mineur, Do majeur, Do dièse mineur, Do dièse majeur. Hein? C'est le principe chromatique. Je vous le fais d'un coup, allez, retour. Et la descente. Avec 4, les 4, c'est égal. Hein? Je suis assis debout, c'est pour ça que j'ai tapé. Hein? Comment j'ai appris à faire tous les accords. Et puis, il n'y en a pas plus. Hein. Et j'avais aussi développé à l'époque une technique pour faire l'accord et la gamme. Alors, ce que je faisais, c'est que je plaquais l'accord à la main gauche pour m'entendre, ou même la note simplement. Mais l'accord, c'est mieux. Comme ça. Et avec l'autre main, je fais la gamme. Alors, comme j'avais déjà plusieurs fois expliqué, la gamme, pour faire une gamme correctement, aller-retour, c'est. On a 5 doigts. 1, 2, 3, 4, 5. Le premier sur la tonique. Et le troisième, note de passage. Et. Le pouce en dessous, comme ça, hein, prêt pour aller jusqu'au fa. Après, on redétend la main et on repose simplement les doigts comme ça. Et vous voyez, les autres doigts, ils sont déjà prêts. Et la descente, pareil. Et là, note de passage, pas en dessous ce coup-ci, ça coince. En dessus, avec le troisième doigt. Je refais gentiment, juste la gamme pour vous voyez. Comme ça. Par-dessus. Sur le côté. Vous voyez, je fais aucun effort. C'est le but. Puis moi, ben, je m'entraînais quand j'étais enfant. Je faisais l'accord à la main droite. Là, je n'ai pas besoin de regarder. Je suis écouté. Vous le savez. Je faisais l'accord à la main droite, à la main gauche, je veux dire. Et là, je vais m'occuper que des majeurs. Maintenant, je ferai. Mi. Fa. Fa avec 4. La note de passage. C'est pas avec le troisième, c'est on joue que avec 4 doigts la gamme de fa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1. Maintenant c'est de nouveau comme avant, avec le troisième doigt qui est le passage. Vous amusez à créer vous-même vos exercices. Là, c'était pour les gammes majeures, mais par exemple, je sais pas, je préfère le même, mais pour la gamme blues majeure. Allez, go.
marche aussi, hein, je suis comme vous. Ça, je sais, par exemple, pour moi, je sais que ça, c'est à travailler parce que je ne l'ai pas encore en automatique. Je la connais, je connais bien la gamme blues majeure, mais vous voyez, je ne l'ai pas encore en automatique, comme pour les gammes majeures tout court. Alors, quand je pourrais faire... à la même vitesse que l'autre, eh ben c'est que j'aurais aussi appris quelque chose. Et je vais aussi m'y mettre parce que j'aime bien cette gamme. Donc, je vais aussi la prendre par cœur. Voilà, c'est un exercice tout simple de dérouille-doigts. Donc les plaqués d'abord. Ensuite toutes les gammes avec son plaquant en mettant la coupe en bas, en référence. Faites ça, moi je, quand j'étais enfant, je le faisais une fois par jour. Puis je le faisais comme ça, et je vous montre. Je vous fais écouter plutôt. Je vous fais écouter parce que vous montrez bien que vous aimez bien voir mes doigts. Ce n'est pas très utile. Parce que si vous avez écouté ce que j'ai dit, les doigts, vous savez où les mettre. Vous n'êtes pas obligé de faire la photocopieuse et de regarder mes doigts pour mettre vos doigts à la même place que moi. Vous devez le. Je vous l'ai expliqué. Donc, vous êtes maintenant en état de le comprendre, donc de l'appliquer pour vous, sans faire la photocopieuse avec mes propres doigts. Allez, je vous fais comme quand j'étais petite, quand je les apprenais moi-même. Voilà. Alors, vous avez là l'ensemble de toutes les gammes majeures. Vous pouvez vous amuser. Et puis, je vous assure, vous faites ça une fois par jour. Et dans 3 semaines, vous le saurez toutes les gammes, mes amis. Alors, bon travail à vous. Et bon début de semaine. Au revoir.